Il était une fois, il y a très longtemps, un royaume du nom de Los, où vivait le peuple des Phosphoriens. Ce royaume était gouverné par le roi Phex. Son peuple l'aimait beaucoup car il était généreux et plein de sagesse. Les Phosphoriens étaient de petites créatures toujours souriantes. Ils travaillaient tous les jours sur le chantier où étaient construites les grandes murailles qui protégeaient le royaume. Grâce à eux, le royaume était heureux et prospère. Le roi Phex aimait beaucoup les Phosphoriens, et pour les remercier de leur labeur et de la contribution au bonheur du royaume, le roi Phex autorisait les Phosphoriens à y entrer librement par une porte centrale appelée en leur honneur « Porte Phosphore ». Néanmoins, et pour éviter qu'un trop grand nombre de Phosphoriens n'entrent en une seule fois, menaçant alors la solidité des murailles, le roi Phex fit appel à son vizir François FGF-23 afin qu'il en régule le flux et ferme temporairement la porte Phosphore aux Phosphoriens. François FGF-23 n'était pas un homme bon. Il avait mauvais caractère, il était malicieux et soupçonneux. Le roi Phex savait que son vizir était jaloux de son pouvoir et de sa personne, mais il parvenait toujours à le maintenir sous son contrôle. Malheureusement, le roi Phex vint à mourir, et ce fut son fils, Phex II, qui, selon les lois en vigueur, fut couronné roi. Mais Phex II ne quittait que rarement son lit, car il était faible et malade. Profitant de cette situation, le méchant vizir le détrôna et se proclama alors nouveau roi en tant que grand François FGF-23. Afin de dominer le royaume, FGF-23 monta une armée de clones. Il ordonna de fermer toutes les portes de Los, dont la porte Phosphore. Plus aucun Phosphorien ne put entrer. Effrayés, les Phosphoriens s'enfuirent et le royaume sans eux s'affaiblit. Cachés dans la forêt enchantée, les Phosphoriens mirent au point un plan afin de se débarrasser de l'armée des clones, revenir à Los et récupérer leur maison. Ils décidèrent de bâtir une catapulte géante et grâce à cet engin, ils purent jeter quelques Phosphoriens par-dessus les murailles. Hélas, les Phosphoriens furent aussitôt capturés et rejetés par l'armée des clones. Désespérés, les pauvres Phosphoriens cherchèrent un moyen plus efficace. Ils eurent alors l'idée d'utiliser les vertus magiques des plantes et des arbres de la forêt enchantée. Après quelques essais, ils trouvèrent enfin une plante pour les aider. Cette plante s'appelait Cor et contenait dans sa tige une substance collante et rouge nommée Anticor. Cette plante avait le pouvoir de reconnaître les clones puis de les coller ensemble pour qu'ils ne puissent plus jamais bouger. Avec leur catapulte, les Phosphoriens projetèrent par-dessus les murs du royaume la substance magique et de nombreux clones pris au piège restèrent bloqués et incapables de bouger. Les Phosphoriens avaient gagné, ils étaient fous de joie. La porte Phosphore se réouvrit et ils regagnèrent Los, victorieux et heureux. Le roi François le Grand FGF-23, épouvanté par son échec, se cacha dans une petite chambre secrète du palais. De là, bien qu'enfermé, il pouvait continuer à fabriquer des clones pour les envoyer se battre contre les Phosphoriens. Ces derniers, pleins de ressources, ne baissèrent pas les bras, car ils avaient mis en place une stratégie de combat. Deux fois par mois, ils allaient dans la forêt enchantée pour rapporter la substance magique qui les avait sauvés, permettant ainsi de garder les portes ouvertes à jamais. Les Phosphoriens ne retrouvèrent jamais le méchant vizir, mais grâce à leur substance magique, les Phosphoriens vécurent heureux au royaume de Los pendant très, très, très longtemps. Thank you.